podcast livre de l'autre côté du smartphone d'Éric Manouvrier. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est De l'autre côté du smartphone. Il a été publié en France en 2023 aux éditions LibriNova. Il fait 91 pages. Je lui ai mis la note de 4,5 sur 10 et le conseille à tout le monde. Quatrième de couverture. Et si votre smartphone vous permettait d'entrer en contact avec les défunts? Après une rencontre peu banale, un informaticien développe une application révolutionnaire qui rencontre un succès sans précédent. Désormais, une large partie de la population utilise Deadbook quotidiennement pour communiquer avec des proches décédés. Invention de génie, œuvre surnaturelle ou escroquerie hors du commun? Une écrivaine algérienne est bien décidée à percer le mystère qui se cache derrière cette nouvelle technologie. Ce que j'ai pensé de ce roman. J'ai découvert ce livre dans le cadre du prix des lecteurs LibriNova 2023. Malheureusement, je n'ai pas tellement accroché, mais je ne doute pas qu'il trouvera son plus. Nous suivons un homme qui se retrouve dans un tribunal. Comment va-t-il s'en sortir? Les personnages sont assez particuliers. Le protagoniste principal a créé une application pour téléphone qui permet de communiquer avec les défunts. Une journaliste qui souhaite une interview va rencontrer l'homme et ils vont vivre des moments spéciaux. L'intrigue est très rapide, le roman fait 91 pages et est angoissant. L'écriture de l'auteur est sombre. Je n'ai pas vraiment compris la fin. En bref, une lecture mitigée. Extrait du livre. Celui qui détourne nos adolescents de la culture et du sport et qui les attire vers de longues discussions avec ceux passés de l'autre côté. Les points forts de ce roman, les personnages, l'écriture et l'intrigue. Les points faibles de ce roman, la fin. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!